J'ai appelé mon ami, le Djoula là. Il y avait d'autres amis hébreux. Hein. Il réfléchit et dit, attends. Mon frère, tu insistes sur le côté ethnique. Oui, j'explique parce que j'ai réfléchi. Parce que souvent, j'ai dit, quand c'est chaud là, c'est là les idées viennent. Non, mais pourquoi tu dis non, mon ami Djoula, mon ami hébreux. Parce que c'est les Djoula qui avaient pris le pays. Non, mais. Donc, je dis pas que c'est mon leader qui me dit, hein, ou bien c'est lui non, qui c'est toi, tu parles. Voilà, non. Je parle de manière personnelle. Oui, moi, je suis d'accord pour un coup d'état, parce que la sang va très mazo. On peut pas être lui dans les urnes. Voilà, lui, il veut faire de la Côte d'Ivoire un royaume. Nous, on n'est pas à tout ici. On n'est pas dans un royaume. Voilà, il a fini son mandat, il passe. Il a fait deux mandats. Personne ne l'embête. J'ai appelé mon ami. Le Djoula là. Il y avait d'autres amis hébreux. Hein. Il réfléchit et dit, attends. Mon frère, tu insistes sur le côté ethnique. Oui, j'explique parce que j'ai réfléchi. Parce que souvent, j'ai dit, quand c'est chaud là, c'est là les idées viennent. Non, mais pourquoi tu dis non, mon ami Djoula, mon ami hébreux. Parce que c'est les Djoula qui avaient pris le pays. Non, mais. Donc, je me suis dit, excuse-moi, excuse-moi, c'est pas pour mener le débat. Oui. Mais est-ce que tu penses pas que montrer les choses sous ce prisme ethnique là, souvent, on peut est-ce que tu penses qu'on en a besoin? Mais c'est pas moi qui ai créé ça là. Ça là, c'est pas moi qui ai créé ça. Faut dire, j'ai appelé un ami. J'ai appelé un ami Djoula. Il y avait des amis pétés, il y avait les amis hébreux. Ok, putain. Il y avait les amis pétés, il y avait les amis hébreux. C'est une nouvelle manière de réfléchir pour qu'on arrête de présenter. Non, c'est une nouvelle manière de réfléchir. Tu l'expliques par rapport à un contexte. Non, j'ai dit la vérité, c'est ce que je fais. Okay. Il y avait Djoula, il y avait Agni. Et c'est chez à Blocos là, il y a beaucoup d'ethnies là-bas. C'est vrai que c'est un village hébreux, mais il y a beaucoup d'ethnies. Pourquoi ils n'ont pas allé chez les hébreux puisque c'est leur village? Eux peuvent défendre leur village. Mais il a appelé le Djoula qui est étranger là-bas. Parce que, quoi? J'ai réfléchi, j'ai dit, mais attends, si aujourd'hui on rentre dans les maisons pour fouiller là, est-ce qu'ils vont aller chez un Djoula pour fouiller? Et ce qu'il a fait, c'est ce qui m'a sauvé, mon frère. Voilà pourquoi il insiste sur le Djoula. Non, je te le concède. Les rebelles. Si je ne suis pas d'accord. Les rebelles. Mais je te le concède. Après 4h du matin, jusqu'à 6h, quand ils sont rentrés, vous avez vu un peu les vidéos partout, quand ils ont attrapé le président Gbagbo. Mais ils ont commencé à faire les ratissages. Parce qu'ils savent qu'il y avait des éléments qui étaient là. Vu qu'eux, ils étaient à l'extérieur. Mais ces éléments-là, ils n'ont pas disparu. Ils sont allés où? Donc, ils sont rentrés dans les villages maintenant. À Blocos, là, fouiller dans la maison des gens. Fouiller, attraper certains...